pièces de théâtre, les poésies, la littérature de manière générale, tout ce qui pouvait représenter la culture au sens large était absolument fanatisé chez eux. Il y a quelque chose chez lui qui va devenir une constante dans le voyage. En fait, très très vite, c'est quelqu'un qui a des idées qu'on pourrait appeler aujourd'hui dépressives et qui lui-même appelait sa bile noire. Ça vient assez vite dans sa vie et le voyage pour lui constitue une sorte d'antidote. Quand on lit ses premières correspondances, ses premières lettres, c'est écrit avec la fougue de la jeunesse, l'admiration qu'il porte à ses aînés. Il arrive à percer en tous les cas une espèce de pudeur que pour avoir les gens de lui répondre. Même ses aînés finissent par lui demander son avis parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses pour les gens. L'origine de ça, c'est peut-être une forme d'inadéquation avec le monde, le sentiment d'être toujours aussi un usurpateur. Mais l'inadéquation est venue aussi probablement avec la célébrité qui a été et rapide. Maintenir une relation tous les deux pendant très très longtemps. Et ça aussi, ça va avoir un impact sur son écriture, sur son style, parce qu'il y a aussi une recherche là, peut-être par cet apprentissage qu'il comprend de Freud, d'essayer de toujours aller dans l'intime, d'avoir en tous les cas le courage de percer des surfaces en tous les cas. Et Freud lui-même va le distinguer, va vraiment reconnaître ça chez lui, cette capacité à rendre quelque chose de la psyché humaine. C'est-à-dire que quelqu'un est dépeint dans une situation et ce quelqu'un va raconter une histoire. Donc ça permet une espèce d'alcôve comme ça, de l'intime, qui fait que tout d'un coup, on rentre dans une histoire, on va prêter l'oreille avec quelqu'un qui raconte. Et ça suit toujours un petit peu le procédé psychanalytique en fait. On rentre dans la confession, l'introspection. Vous imaginez sans doute que j'ai immédiatement tiré le livre de sa cachette pour le contempler et le lire. Je n'en fis rien. Je voulais d'abord savourer toute la joie que me donnait la seule présence de ce livre. Et je retardais à dessein le moment de le voir, pour le plaisir excitant de rêver, en me demandant quelle sorte de livre je voulais que ce fût.